Honorable President, dear participants, I am Veya Mandapat, and with Jeremy Bryce Leroy, we are the chairs of the Health Committee. In this committee, we first talked about the commercialization of new medical treatments. It is indeed interesting to know who should create and market them, but also to whom they should be addressed as a matter of priority. It was therefore during the first 2 days of the conference that the delegates debated and managed to reach an agreement to finally vote and accept 7 resolutions which were passed in a few ways. If they had been in the real United Nations, we can say that more people would have access to medical treatment and therefore global health problems would have decreased, and why not significantly? This would only increase the life expectancy of some countries. Par la suite, nous avons traité les addictions liées au tabac, l'alcool et la drogue. De nombreuses personnes ont une addiction à ces substances dans le monde, détruisant leur vie et allant même jusqu'à l'écourter. Venir en aide aux personnes dépendantes est primordial et éviter que d'autres ne tombent dans la dépendance l'est tout autant. Grâce au travail des délégués, une résolution a pu être passée, bien qu'elle ait suscité beaucoup de débats. Cette résolution permet d'empêcher que les personnes sacrifient leur vie au profit de ces substances, ainsi que d'aider des personnes dépendantes à s'en sortir et à lutter contre les addictions. Je tiens à remercier chaleureusement Mme Myriam Bigdeli de nous avoir aidés dans le travail qui n'aurait pas été non plus accompli sans la participation de tout le comité. C'est pourquoi je demande aux traducteurs, interprètes, admins et délégués de se lever et qu'ils soient applaudis.